Si toi aussi t'as envie d'avoir Messi ou Ronaldo dans ton équipe, je te conseille d'aller sur IGVote, 8% de réduction avec le code ROBERT8. Et si tu veux des cartes Xbox ou PSN moins chères, va sur Prestart, tous les liens sont dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une équipe, oui, qui pique les yeux, parce que voilà, en foot champion, tu tombes souvent contre des équipes un peu cheatées, première ligue, etc. Mais là, l'équipe que je vais vous présenter, vu que la dernière fois vous m'avez demandé, je vous avais sorti la cheat team, là c'est vraiment une équipe qui risque de vous faire très mal, et si vous la faites, bah, vous risquez de faire très mal aux autres. En tout cas, j'espère que ce type de concept continue de vous plaire, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le gros like, hein. Vraiment merci pour toutes les dernières vidéos, elles ont quasiment toutes dépassé les 100 000 vues, et c'est grâce à vous, à tous ceux qui s'abonnent, n'hésite pas à le faire, c'est pas déjà fait, et évidemment, à laisser le gros like. Nous on est parti avec une équipe à 250 000, mais je te montrerai comment l'avoir encore un peu moins cher et l'avoir quasiment toujours aussi cheaté. En tout cas, nous on est parti. Et pour tester une équipe comme ça, quoi de mieux que FUT Champion? Pourquoi? Parce que voilà, j'étais pas bien avec ma grosse équipe, ça me saoulait. Donc j'ai décidé que sur les 6 derniers matchs de mon FUT Champion, j'allais jouer avec cette petite équipe. Donc voilà, j'étais déjà hors 2. Donc ça veut dire jouer vraiment les matchs les plus durs qui restent avec cette équipe-là pour voir ce qu'elle valait. On va découvrir ça ensemble parce que voilà, je les ai enregistrés. On va regarder ça, mais je vous présente d'abord l'équipe. Donc dans les buts, j'ai mis Carnet 6. Alors tu vas dire, oui, c'est pour faire le collectif avec d'autres joueurs. Mais pas seulement, j'aime bien ce joueur. À chaque fois que je suis tombé contre lui, à chaque fois il m'a fait mal. Avec son 1m90, il prend quand même pas mal de place. 84 de réflexe. Évidemment, en première ligue, il y a mieux que Carnet 6. Mais vu que je vais faire un côté Pichek-Socratis, évidemment, ben, je vais avoir besoin de notre ami Carnet 6. Et vu que de l'autre côté, j'ai mis Bailly, et bien évidemment, je vais avoir besoin de lui. Socratis, ce que j'adore, c'est qu'il est élevé. Alors, ouais, tous les défenseurs comme ça, grecs, c'est quoi? C'est qu'ils ont un petit côté affectueux, les copains d'ESPN. Parce que à chaque fois ils sont vraiment très forts. Pichek, ce que j'adore, c'est qu'il est grand, moyen, moyen, donc il va pas trop se projeter, il sera bien derrière. 79 de vitesse, franchement, les latéraux cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin non plus d'une vitesse de folie. Du moment que tu es en défensif, j'ai pas l'impression de prendre des profondeurs de folie à côté. Donc Socratis, c'est juste la muraille de Chine. Bailly, on revient pas dessus, c'est très fort. J'ai mis Chaud juste pour avoir un bon collectif avec Bailly. On le voit moins cette année. Je comprends pas parce que franchement, il est loin d'être dégueulasse encore cette année. Chaud, il est quand même assez costaud, il va quand même assez vite. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Mes deux MDC seront Tolisso et Bakayoko. Bah évidemment, Bakayoko, on revient pas dessus. C'est la muraille de Chine aussi. Tolisso, ce que j'aime bien, c'est qu'il est quand même assez grand. Il récupère quand même pas mal de ballons et il est capable de se projeter. Franchement, même s'il est en MDC dans ma formation, j'aime beaucoup. J'ai associé à cela notre ami Eriksen. Voilà, 5 de mauvais pieds, 4 de gestes techniques. Moi, dans la vidéo que j'ai fait, vu que je l'avais packé en 88 en carte rouge, voilà, je l'ai pris. Évidemment, il est vraiment très fort en carte classique. Hein. Franchement, il n'y a pas énormément de différence entre la carte classique et la carte boost. Franchement, au contraire, tu te feras presque plus rééquilibré avec la carte à 88 que la carte à 87. C'est juste que je l'avais dans le club. J'avais pas envie de sortir de la tunasse. Ce matin, Eriksen fait partie de mon investissement. C'est pour ça. Voilà, 5 de mauvais pieds, 4 de gestes techniques en MOC. Une merveille. À droite. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que veux-tu que je te dise avec cette carte? Alexandrini boost. Comment te dire? Après avoir testé cette carte-là, tu n'auras plus envie de tester aucune carte en AVD. C'est la carte la plus forte en AVD que j'ai testée. Et j'ai testé des cartes. Hein. C'est pas comme si j'avais testé Bell, Okocha, Salah, Heroes, etc. Non, mais... Voilà, mon trio offensif va te faire pleurer. Alexandrini, c'est la première cartouche. La deuxième cartouche, c'est Martial. Là, tu commences déjà à avoir des larmes qui commencent à couler de ton visage. Et la dernière couche, c'est Dembélé. Voilà, donc là, quand tu vois cette équipe-là, regarde cette équipe-là. En début de match, je vais me retrouver comme ça, en 4-2-3-1 avec Eriksen en MOC. Martial et Dembélé, j'inverse. Voilà, j'inverse. Je pense presque que Martial est plus fort. Et franchement, Dembélé sur un côté, c'est vraiment pas mal du tout. Un peu comme un Mbappé. Mais voilà, tu peux laisser Dembélé, il est vraiment très fort. Mais j'aime beaucoup parce qu'il est capable de faire des gestes techniques. Il est vraiment très à l'aise techniquement, notre ami Dembélé. Et franchement, cette équipe-là, à 250 000 crédits, je te le dis, elle va en faire pleurer plus d'un. Ah oui, je te le dis, je suis obligé de te prévenir parce que cette équipe-là, elle est solide de partout et on va aller voir ce que ça a donné en FUT Champion parce que c'est les paroles, c'est bien, les actes, c'est mieux. Donc, on commence contre un premier adversaire qui a
a une équipe plutôt sympa, mais vraiment rien de bien foufou, même s'il a quand même une équipe qui coûte assez cher. La première occasion, elle est pour nous avec Dembélé qui se met sur son bon pied et qui va frapper très fort. Il n'y a vraiment aucune occasion dans ce début de match. On n'est qu'à deux frappes. Le bon travail de Salah qu'on a fait rentrer, hein, parce que je ne vous ai pas montré le banc, mais le banc était important. La belle frappe d'Eriksen, malheureusement, ce n'est pas cadré. Werner qui est rentré également, qui fait un bon travail avec le drag back et qui va trouver Sané. Sané qui lui remet. Et la frappe de Werner, elle est au fond et c'est le 1-0 dans ce match plus que compliqué face à un bon adversaire. Sané, on est en fin de match, qui loupe encore. Il aurait presque pu se l'amener. On remporte le premier match 1-0 avec 10 frappes à une et seulement une frappe cadrée. Le deuxième match, le 36e match, on tombe contre une équipe bien plus forte avec du Del Piero. On voit le bon travail d'Alexandrini qui récupère le ballon sur le côté gauche et derrière qui va faire le double contact. Bakayoko, malheureusement, c'est son point faible. La finition, encore le bon travail et là, la chance pour notre adversaire. La frappe d'Alexandrini finit sur le poteau. Alexandrini qui va encore déborder. Notre adversaire anticipe, mais malheureusement pour lui, le centre est parfait d'Alexandrini pour Eriksen. Il avait anticipé évidemment le stop and turn et c'était pas du tout ça. Là le bon travail de Dembélé qui a l'espace entre les jambes. Derrière décalage parfait d'Eriksen pour Alexandrini. Alexandrini qui vient marquer le 2-0 dans ce match là. Pour le moment l'équipe réalise un sans faute. Encore un bon dédoublement entre Eriksen et Alexandrini. Alexandrini qui part dans la profondeur. Pied droit. Et ça va quand même au fond. Le lob pied droit d'Alexandrini. Pied droit, pied gauche. Il s'en bat les couilles Alexandrini. Il marque et c'est le 3-0 dans ce match. La petite roulette d'Alexandrini, la passe skill, fin de frappe d'Eriksen qui rentre, qui frappe. Mais malheureusement c'était contré et la tête d'Eriksen qui saute plus haut que notre adversaire. Notre adversaire a posé la manette juste en tenant une touche pour éviter qu'on ait besoin que ça le déconnecte. Et on se retrouve à 24 victoires. Match numéro 30, c'était le match numéro 3 pour notre équipe. Et là, on rencontre un adversaire que j'ai déjà rencontré quelques heures plus tôt où on avait perdu 4-2. On commence parfaitement ce match avec un petit but d'Alexandrini. Le bon travail d'Eriksen, le centre fort. Et Alexandrini, pied droit, pied gauche, il s'en bat les couilles, comme je vous ai dit. C'est au fond à chaque fois. Notre adversaire n'a pas d'occasion. Et là, dans un gros cafouillage, il vient marquer l'égalisation juste avant la mi-temps. Ça, c'est jamais bon signe, que ça soit dans le foot réel ou irréel. C'est toujours un peu compliqué et là on est à la 74e, la frappe de Hazard en reprise de volée et c'est au fond. Nous on fait rentrer nos remplaçants habituels, hein, ceux que j'ai mis sur le banc que je vous ai dit tout à l'heure. Sané, Salah, Werner, c'est mon banc et donc je décide de les faire rentrer. Sané toujours en MOC, de faire rentrer Salah à gauche et Werner en BU. Et là directement on voit le bon travail de pressing de Sané qui récupère le ballon et Werner qui n'a qu'à la mettre au fond et c'est le 2 partout. On revient dans ce match très compliqué. La passe de Werner dans Salah pour Salah. Salah la frappe et c'est le 3-2. Le 3-2 dans ce match et là ça fait plaisir. Et là on se dit ça y est, le match il est fini et là on est content. Et là on est content parce que notre adversaire ne jouait plus. L'engagement pour notre adversaire, le bon 1-2 entre Eriksen, Bell qui récupère le ballon, Bell qui frappe et Bell c'est au fond. 3 partout à la 85e. Sur l'engagement, on est au fond du trou. Hein, on est au fond du trou. On était content, on battait cet adversaire qui venait juste de nous battre quelques heures plus tôt. Et là, derrière, le bon travail. Salah qui part de la profondeur. La balle de match pour Salah. Salah qui accélère. Salah face au gardien. Et Salah, et c'est au fond. C'est au fond pour Salah. Quelle frappe! Quelle frappe de Salah. Et là, c'est le 4-3, la délivrance. Mais attention, attention. Prenons pas de risque cette fois-ci, on sait jamais. On a vu ce que ça donnait d'être un peu trop présomptueux, mais non, cette fois-ci ça tient. Et on remporte ce match 4-3 face à ce très bon adversaire. Ça y est, nous sommes hors 1 et on tombe pour ce 38e match face à un joueur qui a eu quand même deux grosses récompenses avec Otamendi rouge et Meuil rouge. Et là, Eriksen qui travaille bien, qui la donne pour Alexandrini. Alexandrini qui se donne à fond. Et l'arbitre qui siffle un pénalty, on peut le dire, imaginaire pour nous. On va le prendre, on est comme ça, on va le prendre quand même. Mais le pénalty imaginaire, Dembélé qui se présente face au gardien. Le contre-pied est parfait et c'est le 1-0. Mais qui n'est pas du tout mérité parce que le pénalty est complètement imaginaire. Alexandrini qui a réussi à duper l'arbitre. Dembélé qui récupère bien le ballon. Le 1-2, Dembélé, Eriksen. Et Eriksen c'est toujours au fond, pied droit, pied gauche, c'est comme Alexandrini. Ça va au fond, c'est le 2-0. On est très très bien dans ce match, notre adversaire n'a pas une seule occasion
Et ça fait plaisir, des matchs un peu à sens unique. Et là, je sais pas ce que fait notre défenseur droit Piszczek, qui s'arrête complètement, qui dit non, vas-y, va marquer. Et c'est le 2-1, notre adversaire qui revient au score. Attention, attention, mais il y a le roi Alexandrini. Alexandrini qui déborde bien, qui trouve Martial. Et Martial, pied droit, pied gauche. Aussi, c'est incroyable, t'as les meilleurs joueurs du jeu, pied droit, pied gauche. Il y a des différences sur des joueurs cheatés comme ça, aucune différence. On est à 3-2. Le bon travail de notre adversaire avec Gabriel Jesus. Il retrouve Rui Costa, Rui Costa qui enroule. Et c'est au fond. Oh, le bon travail de Rui Costa et évidemment la conservation de balle de Gabriel Jesus qui était parfaite. C'est le 3-2. On voit le petit enroulé. Karnessis, malheureusement, est très loin de pouvoir toucher le ballon. Mais derrière, on n'habite pas, on mène au score. Et là, les rentrants, comme d'habitude, Werner, Sané, ah, le duo magique avec Salah. Ah, je vous dis, quand vous les faites rentrer, ceux-là, en général, ils font mal, ils sont cheatés, ils coûtent pas cher. Et en plus, c'est très fort. Le bon travail de Salah. Et malheureusement, on n'arrive pas à marquer le cinquième avec une belle parade du gardien adverse. Mais ça va sur le poteau. On va s'imposer assez logiquement dans ce match 4-2, même si notre adversaire a fait preuve d'une belle résistance. On est toujours invaincu avec cette équipe. Et là, notre adversaire nous propose une très grosse team hein, avec du Ronaldo. Et on sait qu'il va faire rentrer quelqu'un. Et c'est Gareth Bale qui va faire rentrer devant. On commence bien la partie avec Dembélé. Dembélé qui travaille bien, qui trouve Martial. Martial qui a la chance de récupérer ce ballon et qui marque le premier but pété du match. Voilà, le 1-0, tant mieux pour nous parce que c'est un très bon adversaire, on a du mal. Et là, l'action, elle est cacaboudin pour notre adversaire qui marque un tacle glissé avec Ronaldo qui revient à 1 partout. Le match est très serré et les buts sont vraiment dégueulasses. Là derrière, le bon travail de Gareth Bale. Gareth Bale qui trouve Messi qui est contré par la frappe. Il se tombe, notre gardien loupe de récupérer le ballon. On essaye de relancer assez rapidement, malheureusement la relance n'est pas bonne. Kanté qui trouve le décalage sur Pogba. Pogba qui trouve évidemment Messi à la fin. Et nos deux défenseurs qui se sont rentrés dedans et qui ont empêché de récupérer le ballon. Là encore une fois, on récupère le ballon, on récupère le ballon, on récupère pas le ballon. Et le troisième but pété de notre adversaire. Ça fait 4 buts pétés dans ce match. Le nôtre plus les 3 siens. Et on a été mangé quand même dans ce match. Et donc on perd fort logiquement cette rencontre. C'est le dernier match pour notre équipe. Et on tombe encore contre une très belle équipe. Et en plus les gars, Yarmolenko rouge. On tombe quand même contre des gros adversaires. Le match débute parfaitement avec cette frappe de Dembélé qui est pété du cul, mais qui rentre. Hein. Dembélé, c'est l'avantage, c'est qu'il est bon en finition. Derrière, le bon travail d'Eriksen. Eriksen, malheureusement, c'est là où il manque encore un tout petit peu de vitesse, qui est rattrapé par Manolas. Mais là, la bonne récupération au milieu de terrain. Dembélé qui humilie notre adversaire, qui trouve le bon décalage avec Martial. Martial qui va retrouver Dembélé. La frappe de Dembélé, c'est le 2-0. Il est parfait ce but. Il est juste parfait ce but. Le bon travail de Dembélé au début de l'action et à la fin de l'action, il est toujours là. Attention, notre adversaire sur sa seule incursion à la surface, encore une fois, avec son Aubameyang, arrive à réduire le score en étant à 2-1. Malheureusement, on a Dembélé qui est blessé. Eriksen qui déborde bien, vous voyez, Dembélé est blessé. Mais Dembélé s'en bat les couilles parce que Dembélé vient marquer le 3-1 et il vient un peu nous délivrer parce que là, on commençait à subir un peu la pression de notre adversaire. Et là, on est content. Là, on est content, on est à 3-1, tranquille, comme Emile. On ne risque plus rien dans ce match, même si on est à la 33e minute. Et là, le bon travail de notre adversaire et un pénalty. Que dire, si tout à l'heure, il était un peu bizarre, ce pénalty. Là aussi, mais c'est pas la seule mauvaise nouvelle. C'est qu'en plus, on va se prendre le carton rouge pour Sokratis. Mais par chance, Karnessis qui fait une parade exceptionnelle. Il sort le gros Harry au bon moment. Et là, c'est là où on a besoin de lui. Il sort dans les pieds d'Aubameyang. Et c'est la grosse parade également. Et attention, 77e minute, là malheureusement, le mauvais contrôle de Aubameyang qui lui permet que ça rebondisse sur les tibias de notre gardien et qui revient à 3-2. Attention, on n'est plus qu'à 10 dans cette fin de match, mais notre adversaire n'arrivera pas à revenir au score. On garde cet avantage de 3 tirs à 2 avec ce premier but qui était vraiment bien pété. Mais on a fini à 10 malheureusement avec l'expulsion de Sokratis. C'est pour ça qu'on a subi un peu en fin de match. Et on finit avec 27 victoires, ce qui est loin d'être dégueulasse. Surtout qu'on a fini avec une équipe qui coûte 250 000 crédits et qu'on fait 5 victoires et une seule défaite. Est-ce que si j'avais fait tout mon foot champion avec cette équipe-là, est-ce que j'aurais pas fait mieux que 27 victoires?
Je pense que oui, parce que là, c'était vraiment les matchs les plus durs qui restaient. On finit à 27 victoires. En tout cas, j'espère que cette équipe vous aura plu, parce que vraiment, elle est ultra cheatée, elle est vraiment très forte. Pensez bien à mettre en remplaçant Warner, Salah et Sané, qui coûtent pas très cher et qui sont vraiment juste des bons. Quand tu fais rentrer ça en fin de match, en général, ça fait vraiment très mal aux fesses. Évidemment, si vous voulez pas la faire, c'est pas plus mal non plus, hein, si on peut éviter de la rencontrer. Parce que moi, personnellement, à chaque fois que j'ai joué contre ce trio offensif, ça m'a fait vraiment très mal. Hein. Vous pouvez le remplacer par Mbappé, mais Mbappé, ça coûte quand même beaucoup plus de crédit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Robert87000 au moment où je suis en train de parler. Je vous montre une équipe à 100 000 crédits qui, elle aussi, fait plus que le taf. Moi, je vous fais des bisous à tous. C'était Robert87000. Pensez au gros like, à vous abonner. Ciao, les gars. Then the best of my stunning, like 56-101. Stroke game, field drumming. Bang gang, Dre drumming. Machine gang, bang drumming. I need a band like I'm drumming. I jam hoes like I'm drumming. And your girl stay coming.